Dans Galates 20, versets 19 à 21, sont énumérées les œuvres de la chair que nous avons déjà analysées, tandis que dans le verset 22, nous trouvons les caractéristiques du fruit de l'esprit que nous allons analyser avec vous ce matin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais en général, quels sont les différents types de fruits? Il existe plusieurs types de fruits. Premièrement, les fruits naturels, qui sont les produits des arbres. Ce sont les fruits des arbres. Les fruits civils, qui sont les loyers des maisons. Si vous avez une maison louée, l'argent recevoir ces fruits civils. Les intérêts des sommes exigibles. Mon qui a prêté l'argent à l'intérêt. Intérêt à recevoir ces fruits civils. Les prix des baux à faire. L'un dit beau en singulier, c'est bail. Au pluriel, beau. Les prix des baux à faire. Tout ça, c'est fruits civils. Lorsqu'on terre ou à fermer, ou bien un terrain ou à fermer, eh bien, fruits que recevoir, l'argent recevoir, c'est encore des fruits civils. Il existe aussi les fruits industriels qui sont le résultat de l'action combinée de la nature et de l'industrie des personnes. Enfin, le fruit de l'esprit qui se réfère au développement harmonieux du chrétien. Sans fruit ça, on pas qu'à développer chrétiennement, spirituellement. Sans fruit ça. Le fruit de l'esprit. Neuf qualités, neuf vertus ou neuf caractéristiques du fruit de l'esprit pour notre relation avec Dieu. Pour nous gagner une bonne relation avec Dieu, avec les autres et pour le contrôle de notre vie. La première et la plus grande manifestation du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Source de toute vraie vie chrétienne. Mais comment arriver à produire le fruit de l'esprit? Tout d'abord, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite dans vous, demeure dans vous, et que le Saint-Esprit a venu dans la vie au monde pour être capable d'habiter, pour être capable de demeurer. Ces jours, mon accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Jou moun sa sauvé, li sorti dans le royaume Satan, li entré dans le royaume bon Dieu.
Il n'est pas esclave Satan encore. Il n'est pas esclave le monde encore. La chair encore. Tant que Jésus-Christ est une Nicodème ça. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau pour que cet esprit capable de sceller. Ah, on voit qui ça, Éphésiens 1er verset 13e, n'en dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ou pas capoter fruit de l'esprit, ou pas produire fruit de l'esprit, si ou pas jamais scellé du Saint-Esprit. Si Saint-Esprit n'a pas habité dans vous, s'il n'a pas demeuré dans vous, et parfois Saint-Esprit a dans vous, mais il a attristé. Ou tellement fait ça qui est contraire à la parole de Dieu. C'est vrai, il n'a pas, mais il a attristé vers une meilleure compréhension des caractéristiques du fruit de l'esprit. Lors de notre dernier message en date du 12 mai 2024, nous avons analysé deux de ces caractéristiques du fruit de l'esprit. Nous pourrons faire une petite révision sur vous. Et maintenant, moi proposer pour me capable d'analyser deux des autres, à savoir la joie et la fidélité. En ce qui concerne l'amour, selon ça, nous dit, ouais. Eh bien, nous te dit que le cœur humain est naturellement égoïste. M'vle bien pour moi, même pas v'le pour voisin, pour frère. M'vle bien seulement pour maman, pas moins frère, soeur, bon ami, pour madame, pour petite, mais quant à l'autre monde, ça pas concerné. Ça pas concerné. Le cœur humain est égoïste. L'amour de l'homme pour l'homme est un fruit du surnaturel de l'esprit. L'aurait mes frères, aurait mes sœurs, et on traduit ça par de bonnes œuvres, par des actions positives que opposées envers lui. Ça, c'est un fruit naturel de l'esprit. Nous t'ai montré que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent véritablement posséder l'amour. Seul monde qui expérimente la nouvelle naissance en Jésus-Christ, la naissance spirituelle. Si c'est pas ça, on a gagné 1000 ans dans l'église. Ou pas capable de produire fruit de l'esprit. Le Nouveau Testament employait seulement le mot agapé pour désigner l'amour de Dieu pour nous, notre amour pour les hommes. Concernant l'amour de Dieu pour nous, que dit Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas à sortir de là. Et Romains chapitre 5, verset 8, qui ça le dit? Dieu prouve son amour envers nous
Parce que lorsque nous étions pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous sauver de l'enfer éternel. L'amour de Dieu pour les hommes. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ceux qui est de l'amour fraternel, ouais, ça concernait l'amour de l'homme pour l'homme. Pour ceux qui concernent et qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Qu'on vous écrive. Vous n'avez pas besoin de ça, non, puis vous écrivez. C'est vous-même ce monde qui est sauvé, qui est habité par le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin d'écrire pour dire que vous devez aimer frère, vous devez aimer soeur, vous devez aimer prochain. Non, ça n'est pas nécessaire. Et 1 Jean 4, verset 21, en nous lit verset ça. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Soudain, même mon Dieu, pas mes frères ou la soeur là. C'est pas la vérité. Ou pourquoi commencer remet bon Dieu. Concernant la paix, il y a un bagage que nous avons. Il y a un que nous avons. Nous avons affirmé que la paix est l'état de l'homme qui vit en communion avec Dieu. Pour que vous ayez la paix, vous ayez en paix, il faut que vous viviez en communion avec Dieu. C'est l'état de paix qui amène en lui la sécurité, la prospérité, le bonheur. C'est là que la paix de Dieu, où gagne la vraie sécurité, où gagne le bonheur, où gagne la prospérité. Un converti n'a pas de prospérité, il gagne richesse. Mais c'est chrétien, serviteur de Dieu, servant de Dieu qui gagne la prospérité, la sécurité, le bonheur. Vraie sécurité, c'est dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Ancien président, nous on va compter combien d'agents de sécurité, combien de policiers qui t'a veillé dans la nuit côté, ils ont été assassinés là. Ils sont arrivés à assassiner quand même. Un bon Dieu, nous on fidèle. Nous parlons ça, oui. La veille sur nous. Et en un mal, pas qu'arriver nous sans permission. C'est ça que la parole de Dieu déclare. Pas qu'en un mal, qui qu'a atteint nous sans la permission de Dieu. Le mot paix signifie aussi état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ. Lorsque Jésus dans la vie ou tranquille, malgré des situations qui te fait que ou pas tranquille, mais ou tranquille parce que Jésus dans ou dans Jésus. Ou dans le clan, le conseil divin. Et ça fait l'homme qui a formé le clan, si vous ne mettez pas de problème. Dans le clan, le conseil divin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si vous voulez mettre dans le clan, on est bien content. Mais si vous voulez mettre, m'apprêter là, dans le clan divin. Bon Dieu béni. C'est l'état, la paix, c'est l'état d'une personne qui assure de son salut. Donc, gros problème, oui. Dans l'évangile, nous, aujourd'hui, on a 10 ans dans l'évangile, il n'y a pas d'assurance du salut éternel. Mais si on n'a pas d'assurance du salut éternel, pas évangéliser l'autre monde. Pas à évangéliser l'autre monde. Et l'autre évangéliser un monde, il convertit. Il y a un verset biblique pour ouvrir ensemble avec lui, pour montrer la déclaration, la Bible. Il faut montrer Jean 3, verset 16, qui dit, « Moun qui croit, qui gagne la vie éternelle. »
éternel. Montrez Jean 5, verset 24 qui dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah, verset ça, gain. Gros vérité là-dedans. Gros vérité biblique. Vous écoutez la parole de Dieu, ou quoi dans vos dieux, ou quoi dans la parole là, ou gagnez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas prendre le jugement. Quel type de jugement? Il y a plusieurs types de jugement biblique. Vous parlez dans le jugement des œuvres des croyants. Lorsque vous êtes converti, qui ça vous fait pour bon Dieu? Comment ça vous êtes? Ça, c'est le jugement des œuvres des croyants. Mais quand tu as le jugement dernier, le jugement de condamnation, le jugement devant le grand trône blanc, la Bible dit ou pas parle dans le jugement ça, parce que tout le monde qui parle dans le jugement ça, c'est le monde qui perdu, c'est le monde qui condamné, c'est le monde qui va le jeter en enfer. Amen. Amen. C'est vérité, oui, c'est pas moi qui déclare. Non, Jean 5, verset 24. Le dimanche, ça a passé de la mort à la vie. Quel type de mort? La mort spirituelle. Parce que tant que moun n'a pas converti, il mourit spirituellement. Parce qu'il est séparé de Dieu. Le péché d'Adam et d'Ève sépare moun sa de Dieu. Moun sa pas la vie de Dieu. Il n'est pas dans la présence bon Dieu. C'est l'ennemi bon Dieu. Désobéissance là, inné la kaili. Rébellion inné. La kaili, l'inné ennemi bon Dieu, la pral réconcilier avec mon Dieu, le jour où il reconnaît que c'est péché lié, les coupables, les ennemis bon Dieu, et puis l'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pasteur a dit ça dernièrement dans la formation, les gens pile fois moun kap évangélisé yo, yo évangélisé mal. Yo va aider moun yo comprendre qui ça salue aïe. Yo seulement contenté yo fait mon enlever mais en l'air yo prier ensemble avec lui là on vient yo dit yo t'ai trouvé 50 âmes pour le Seigneur mais mon pas comprendre ça au faire yo pas comprendre ça. Jean 6 verset 47 qui ça dit: en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comment on fait une prière avec un monde pour le sauver, l'accepter Jésus, pour ne pas faire loin, verset, ça y est. C'est base vie chrétienne, Léa. Romains 5, verset 1. Il dit: étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À nous la joie, qui sa Bible a dit, de la joie comme yonan fruit de l'esprit. La qualité, la troisième qualité, ouverture aux caractéristiques du fruit de l'esprit est la joie, qui est l'état normal de l'enfant de Dieu. Là où pas gain la joie, ça c'est pas l'état normal de l'enfant de Dieu. Et questionnez ça. Cherchez pour gain la joie si que vous-même c'est un serviteur de Dieu, parce que c'est l'état normal de l'enfant de Dieu. Le mot grec qui signifie la joie, livre dit aussi réjouissance, généralement traduit par joie. Moussa traduit par joie, grande joie, sujet de joie. La joie du chrétien réside dans son salut. C'est pas dans l'argent, dans belle caille, belle machine, bien matériel. La joie du chrétien réside qui côté? Dans le salut. L'elle sauver, de quoi elle sauver.
est converti, qui côté la joie au résider. Yo bito volé, yo bito tué moun, yo gampi l'argent, en pile richesse, parce que c'est ça qui fait joie, yo bagay matériel, bagay périssable. Mais pour chrétien, qui ça qui doit faire joie? Le salut avant tout. Là on finit notre travail, ou l'aime fin prêcher là, faut que mal prend bagay la caille là. Nimbaka almandé comme si l'aime fin prêcher là, me dit passe, mbaka joindre non 100 dollars. La caille pas bon non? Non, l'évangile là pas fonctionné comme ça. Vous besoin de l'autre bagaille. Mais vraie joie, qui compte reposer? Qui compte résider? Dans le salut. Pas l'autre côté. À travers la Bible, nous jouons en pile exhortation à la joie. En pile exhortation à la joie. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Par exemple, Psaume 100. Matin nous délili. Psaume 100, verset 1 et 2. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Matthieu chapitre 28, verset 8. On regarde qui ça dit. Il dit, elle s'éloignèrent, parlant de mesdames, les amis Jésus. Elle s'éloignèrent promptement du sépulcre. Avec crainte et avec une grande joie. Là, je veux une confirmation que Jésus-Christ ressuscité. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Porter nouvelle, ça va l'autre monde, non? Pour pas responsable, aller en enfer, yo. Condamnation éternelle, yo. Parce que depuis mon amour, sans Jésus, il est condamné éternellement. Ce que la Bible appelle la seconde mort. Pas grand rien qu'a fait pour moun ça. Qui est frappé de la mort spirituelle, qui n'est pas converti, pas repenti, qui n'est pas que Jésus. Et puis la mort physique, joint lui dans la situation. Ça, pas grand rien qu'a fait pour lui. Il est frappé de la seconde mort, qui est la condamnation éternelle, l'enfer éternel. Ça va jouer être chrétien. Ça va jouer être, c'est ça qui fait fort que nous évangéliser. Ben, on lit quelques versets dans Luc, soit trois versets qui parlent de joie. C'est un livre dans le Nouveau Testament qui mot joie répété plus là-dedans. Et Luc, pour Luc 1er, verset 14e. Le premier verset 14e. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Pas qu'à dire que Jésus qui dans la vie pour pas gain joie, pour pas gain allégresse. Moi avec un frère, t'a fait une discussion sur la paix. Il dit que et si on passe journée on pas joindre manger pour bâti mon yo ou ka en paix. On dit que là on pas comprendre mon père m'a parlé de lire. À la vérité, il était convaincu, il était d'accord avec moi que le vrai chrétien qui recevoir la paix, ça son question spirituelle, à faire passer jour n'est pas parti mon manger, c'est autre question. À la vérité, il pas persister. Il était d'accord. Il me saluait frère parce que là l'assemblée. Là où tu as c'est pour d'accord, tu as tort. Là où tu as raison, tu as raison. Si tu as tort, malgré où tu as tort, ou prétendre que tu as raison, c'est orgueil qui fait ça. Luc chapitre 2, verset 10. Toujours concernant la joie. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La naissance de Jésus-Christ. Qui ça nous fait avec ça? À l'égard de l'autre monde, qui ça nous fait avec ça? Pourquoi ça ne va pas de joie ça? Offrir
en nous font passer sur la fidélité. La fidélité, c'est l'un des attributs de Dieu. La fidélité. Et même Jean bon Dieu fidèle, ou même qu'à servir, l'attendre à ce que vous servir fidèlement. À pile fois nous pas fidèles envers Dieu. Nous disons nous servir, nous quoi nous servir, mais nous pas fidèles, nous pas constants, nous pas réguliers. La fidélité est une autre caractéristique très importante du fruit de l'esprit. Mais qu'est-ce que la fidélité? Qui sa fidélité a été? La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. L'eau fidèle ou ferme. À la foi. À la fiabilité. À la constance. À la régularité. À remplir ses engagements. L'homme nous a marié, fit la promesse pour être capable d'être fidèle à Maria jusqu'à ce qu'elle mourit. Et Maria aussi, ce n'est pas seulement madame non, qui peut promettre, engager pour être fidèle, non? Ou même tout comme Marie, c'est le même engagement hein, pour être fidèle à madame. Nous avons 28 ans de mariage, même garder, pour que jamais garder l'autre fille mal. Jean-Bible dit pas garder là. Nimbay gag. Mais c'est serviteur de Dieu, moi, yeah. Donc, j'en premier devant bon Dieu. Nous ne pouvons pas n'importe comment chan nous voulons, non. C'est Jean bon Dieu voulait. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas entrer dans le ciel là. On dit ça, nous voulons, nous faire ça, nous voulons. Nous aller côté, nous voulons. Pasteur n'a pas qu'à parler avec nous. Il y a deux sœurs qui ont gagné un problème dans l'église côté moi avec pasteur Zaté passé. Il y a un qui dit, l'autre dit, a prononcé des propos outrageants, blessants. Il dit, je parle à la porte de pasteur. Il dit, qui s'est empêché d'arriver déjà? Manger une assiette tracée, pasteur. Où t'es pour arriver déjà? Bah manger une assiette tracée, pasteur. Mais si vous même c'est un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, son assiette pasteur crasé, achetez une belle assiette pour te bailler pasteur, pour le manger, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. La fidélité consiste à garder la foi donnée à une personne ou à une cause. Je prends même exemple là dans le mariage. Engagement que madame n'en prend, c'est pour le cadet. Engagement Maria prend, c'est pour le cadet. Vite nous, ouais, la fidélité de Dieu et puis d'abord la fidélité de l'homme. La parole quelques versets côté que nous joignons la fidélité de Dieu. Premièrement, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Bon Dieu fidèle pour qu'un bébé l'ait sauvé ou là pour le mener en ciel. Bon Dieu pas fini sauver et puis l'abandonner pour Satan faire salver avec eux. Salut recevoir coûter cher. Le sang de Jésus, les mains percées de Jésus, les pieds percés de Jésus, douleur, souffrance, sa mort. C'est ça, ça lui a coûté. Marc, on va sauver. On va sauver, on a 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'évangile, on va jamais sauver. Parce que sa Bible a dit pour faire, pour sauver, ou pas faire. Deuxièmement, Dieu est fidèle pour affermir ses enfants et les préserver du malin. Si bon Dieu, pas fidèle pour le préserver, petit lio, pour le préserver, pas gagne un nom qui vrai chrétien matin tape là. Satan
attaquer nos troupes, il lançait trop flèches, trop pièges, trop complots, trop mauvais plans à faire contre nous. Parce que même jour, converti tout le monde, recevoir le salut éternel. Satan commence à persécuter. Les lois ont commencé à maturité spirituelle, la persécuter au plus. L'ont occupé en position dans l'église, mettez-vous pour vous mettre, mettez-vous pour bataille. Bon Dieu fidèle, il préserve nous du malin, il a fermé nous. Dieu est fidèle pour pardonner les péchés de ses enfants. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Bon Dieu fidèle pour pardonner péché petit lio, serviteur lio, servante lio. On nous garde qui sa verset ça dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Les nos péchés, la Bible dit nous pas péchés. Mais le involontairement, nous arrivons à commettre un péché. Bon Dieu fidèle, si nous confessons péché, pour le capable, pardonnez-nous, pour nous reprendre communion nous avec lui. Dieu est fidèle pour délivrer ceux qui souffrent selon sa volonté. Là, on a épreuve, on a souffrance, on n'a pas découragé. Pas sorti pour aller, qui ça qui passe comme ça. Pas voyer moun pour vous. Pas qu'il y ait comme ça dans l'évangile. Dans la question pour aller ou bien voyer moun pour vous. De vous dans la question ça, ou pas dans l'évangile. Je fais expérience, oui, c'est pas dans seul l'église. Mieux l'église à m'lade actuellement, même l'autre l'église me passe dans vous. Dans pile monde qui dit vous converti. C'est vous qu'on est converti. Et vous tellement zélé. Soit choisi les gens qui convertit, ou dit c'est mon ça. Et pourtant, dans la magie, il a un beau corps, une habitation. Je dis ça ensemble avec un leader. Je dis à tout travail pasteur a fait là pour briser l'hôtel, graser l'hôtel. Gen moun nan l'église là, l'église là, là qui conscient. Yo gen hôtel, yo, semble le pasteur fait prier, yo, droit pour ça. Yo. Ya pesé, parce que sa habitation bâti moun yo sécurité. Qui va apprendre l'école? Qui va pas malade? Ça nous dit pas bien ça. Tout le monde qui est dans l'église, tout le monde bon Dieu. Bon, je vais terminer, vous ne citez pas trop, mais le message au long. Bon, je vais terminer avec la fidélité de l'homme. Seulement Daniel. Seulement le cas de Daniel, ma propre, pour me terminer. Le cas de Daniel qui était fidèle à Dieu. Daniel est un exemple biblique de fidélité. Daniel, un Hébreu, déporté quand il était adolescent. Malgré cela, pendant plus de 60 ans, il va assurer des fonctions publiques auprès de 4 rois. On va comment Daniel quatre rois qui se sont succédés dans le royaume de Babylone. Un pays païen, mais Daniel est resté fidèle à son Dieu, le Dieu d'Israël. Même si tout le monde est fidèle, ou faire un fort petit moins pour capable fidèle à Dieu et avoir besoin de résultat. On va jouer un résultat. Daniel était fidèle. Il t'a averti, il t'a dénoncé ça qui est mal. Il t'a fait dans le royaume. Daniel a été fidèle devant Dieu et devant les hommes. Mais sa fidélité lui a valu de hautes épreuves. Oui, l'on fait effort pour servir bon Dieu tout bon. On va éprouver. Ou ap konnen douleur, ou ap konnen peine, moun ap ray ou son pa konnen ki sa ou fè yo, yo pa vle wè ou, y ap pale ou mal, y ap kritike ou, même an dan l'église, parce que ou ap mache avec bon Dieu. Satan pa vle wè bon Dieu, pa vle wè ou.
Ou bien bon Dieu nan ou, le Père, le Fils, le Saint, t'esprit en tablé pour Satan zami ou. Daniel, tu étais fidèle. Moi, même avec vous, on nous efforce. Malgré tout, pour nous servir, bon Dieu, fidèle. Bon, que Dieu vous bénisse.